Bonjour, je suis Marion Foissier, ravie de vous rencontrer pour ce 7e numéro de Perpignan ça bouge. Je remplace exceptionnellement Nina Otero. Nous sommes au cœur du village de Noël des Quais Vauban. Nous irons ensuite jusqu'au Castillet, illuminé et paré de ses plus belles couleurs de fête de fin d'année. Et nous irons enfin aux Allées Mayol sur le marché gourmand. Suivez-moi! On démarre ce numéro spécial festivité avec la grande nouveauté de cette année, la grande parade de Noël, bref, la grande féerie, Image Max. Canon le Castillet illuminé comme ça, j'adore. Nous allons maintenant retrouver les images de la fête traditionnelle de la Saint-Éloi, qui est la fête du fameux grenat catalan. Image Max. Thank you.
C'est vertigineux la vue. Allez, on redescend. Direction maintenant le marché de Noël, où vous pouvez chiner des antiquités, boire un petit coup, manger de tout, des spécialités comme les huîtres de Leucate ou des saveurs du monde, et surtout trouver les cadeaux de Noël qui vous manquent à mettre et à glisser en dessous du sapin. A tout de suite. La ville est très bien décorée, on a eu jusqu'à maintenant, il y a eu du monde, donc on espère que ça va continuer comme ça. Il y a la féerie dans toute la ville, je trouve ça bien. És la primera vegada que venim, vull dir que ens ha agradat molt com està tot el centre i les coses que hem vist fins ara. Estupendo. Molt bé, tothom molt bé. Je trouve que c'est très bien fait et c'est original, ça sort un peu du lot et j'aime beaucoup. Eh bien, c'est particulièrement joyeux, on a du monde. Et il y a plein de choses délicieuses à manger. Cette année, c'est très joli, tout le monde est content, les commerçants sont ravis. On n'a que des bons retours en fait. Je trouve ça très joli, tout est illuminé, je trouve ça super joli. Voilà, féerique. Maintenant, place à l'agenda. La dernière grande soirée de nos festivités se déroulera le vendredi 23 décembre à 19h30 tout d'abord avec un grand concert de gospel, puis à 20h30 pour un feu d'artifice féerique. Magique, non? Soyons écolos, n'oubliez pas la collecte de sapins qui aura lieu à partir du 26 décembre et ce jusqu'au 21 janvier. Vous avez 19 points de collecte à travers toute la ville que vous pouvez retrouver sur le site mairie-du-6-perpignan.fr. Ça pique. Encore une grande nouveauté cette année, puisque Monsieur Louis Alliot et son équipe municipale vous invitent à leur toute première cérémonie de vœux qui se tiendra ici même aux Allées Mayol le samedi 14 janvier à 14h30. Venez déguster une petite part de Gadérois, boire un verre en leur compagnie, bref, venez les rencontrer, venez nombreux. Je vous souhaite un très joyeux Noël, en famille ou entre amis. Je vous souhaite bien entendu un super réveillon du 31 et je vous donne rendez-vous en 2023, plus précisément le dimanche 22 janvier. En attendant, prenez soin de vous et surtout de toi aussi, Nina, reviens-nous vite. Vous pouvez nous retrouver donc sur l'Insta, le Facebook, le YouTube, le TikTok de la ville de Perpignan et bien entendu, comme toujours, sur mairie-perpignan.fr. Bref, bonnes vacances, à très vite. Ciao !